la joie commence par la douleur. It means that joy starts by the pain. Et la victoire commence par ce qui ressemble en apparence à une défaite. And victory starts by what it seems obviously like et a defeat. Quand Jésus est mort, when Jesus died, il y a eu la fête dans le camp des démons. Demon camps celebrated. Or, un nouveau jour se levait. But a new day has come. Et parce que si tu ne comprends pas cette vérité, because if you don't understand this truth, tu vas beaucoup te plaindre dans la vie. You will complain a lot in life. Tu vas toujours dire, mais toujours c'est dur pour moi. How will you complain? It's always hard for me. Qu'il règle mon micro, s'il vous plaît. Et tu vas toujours dire que c'est dur pour toi. How will you complain? It's hard for you. Parce que tu te dis, mais c'est toujours dur. Because you think that it's always hard. La victoire commence par l'épreuve. Victory starts by trial. Regarde ton voisin, toi qui nous suis à travers Divine Amour TV. Tell the person next to you. Et toi qui es là, regarde ton voisin et dis-lui tell que the person, la victoire commence par l'épreuve. Victory starts by trial. Oui, commence à lui dire ça. Tell him that que la victoire commence par l'épreuve. Victory starts by trial. Alléluia, ça change beaucoup de choses, hein. It changed many things. Et c'est pourquoi l'Église parle du mystère pascal. This is why the church is talking about the Easter mystery. Le mystère pascal, c'est pas la résurrection seulement. It's not only about the rising only. C'est la mort et la résurrection. It's the death and the rising of Christ. Une autre parenthèse théologique. Another theological bracket. You will notice that Easter started les fêtes pascales. By what we call Easter celebrations. Et ça commence par le jeudi saint. It starts by the Holy Thursday. Vous comprenez? Understand. Le jeudi saint, nous entrons déjà en Pâques. In the Holy Thursday, we already enter in Easter. Et pour dire simplement que si tu ne comprends pas ça, just to mention, if you don't understand that, tu ne peux pas comprendre. You can't understand. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit, elle, but the word of God tell us, que l'homme domine sur toutes choses. May the man have the power over all things. Et donc la vocation de l'homme, then the vocation of the man, c'est adorer Dieu, is to worship God, et prendre soin de la création de Dieu, and to care about the creation of God. C'est-à-dire que Dieu s'est effacé. God remove himself. Aujourd'hui, nous fêtons dans l'église une très grande dame. Today we are celebrating the church a great lady. La grandeur de Marie. The greatness of Mary. C'est son oui et son effacement. Is an agreement and a humility. Et parce qu'elle a bénéficié d'une grâce. Because she get advantage of a grace. Une grâce, c'est vraiment ce qu'on ne mérite pas. A grace is something that you don't deserve. Mais elle a dit oui. But she said yes. En exerçant sa raison. By functioning a reason. Devant un message assez révolutionnaire. Regarding a great message. Marie était en plein projet de mariage. Mary, she was about to get married. Et voici qu'elle accepte un tel message. And now she's agreed with such kind mais of message. Elle s'efface. But after she gets humbled. C'est exactement ce que Dieu a fait. It's exactly what God has done. La Bible dit le Seigneur se reposa le septième jour. And the Bible said the Lord get rest mais on si the Dieu seventh se repose le septième jour. But if God has a break on the seventh day. Et c'est pour que l'homme prenne la relève. On est d'accord. It's to let the human being to work. Ça veut dire que Dieu lui-même qui est créateur de toutes choses. God himself who is great of il all things. S'efface devant sa créature. Is great in front of his creature. Tu vas lire le psaume 8. Let's read Psalms 8. Ce que la Bible dit concernant cet être qu'on appelle homme. What Bible say about that human called? C'est une parole majeure. Man, this is a major message. C'est pourquoi ce soir je veux que tu saisisses quelque chose. That's why this evening I want you to catch something. Que tu as été créé pour dominer toutes choses. You have been created to have the power over all things. Pour dominer toutes choses. To dominate all things. Et que Dieu a mis en toi. And God has put into you l'ADN de la domination sur toutes choses. The ADN of the power over all things. Yahvé notre Seigneur, qu'il est puissant ton nom par toute la terre. Lui qui redit ta majesté plus haute que les cieux, par la bouche des enfants, des tout petits, tu l'établis, lieu fort à cause de tes adversaires pour réduire l'ennemi et le rebelle. Oui, continue. Avoir ton ciel. Avoir ton ciel. Ouvrage de tes doigts. L'ouvrage de tes doigts. The work of your hands. La lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est donc le mortel que tu t'en souviennes? Oui. Le fils d'Adam
que tu le veuilles visiter. Vous voyez, Dieu a tout fait dans sa gloire. God has created all things in his glory. Je vous assure, frères et sœurs. I assure you, brothers and sisters. Et c'est une des préfaces de la liturgie eucharistique. This is one of the writing of Catholic liturgy. Nous louons sa gloire. We just admire his glory. Et c'est pas quelqu'un qui voulait que des gens viennent uniquement pour le louer, pour l'adorer. It's not the person who just wants people who need people to worship him. He has already got angels to worship. But he wanted to create a being. À son image et à sa ressemblance. To his likeness. L'adoration de l'homme envers Dieu. The adoration of the man to God. C'est la reconnaissance de l'homme. Is the recognizing of the man. Et vis-à-vis de ce Dieu grand et puissant. Regarding that a powerful God. L'adoration n'est pas une soumission à Dieu. Worshipping is not a submission to God. Mais l'adoration est un témoignage de reconnaissance. But worshipping is a testimony of gratefulness of God. Face à son amour. Regarding his love. Face à sa grandeur. Regarding his greatness. Je lève la main vers lui. I raise my hand to him. Et le psalmiste dit ceci. And this writer of Psalm says. Devant la grandeur de ce Dieu. Facing the greatness of this God. Que puis-je faire? What can I do? Je lèverai la coupe du salut. I will raise the cup of salvation. Et je ferai quoi? Then I will do what? En invoquant le nom du Seigneur. By calling the name of the Lord. Oh, vraiment, c'est la reconnaissance de l'homme. This is the gratefulness of the man. À son Créateur et Père. To his Creator and Father by Jesus Christ. À peine le fis-tu moins qu'un Dieu, tu le couronnes de gloire et de beauté. Pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains. La Bible dit the Bible says que Dieu l'a couronné de gloire. God crowned him of glory. Je peux vous dire que then I can tell you that notre ADN, our NDA est une ADN is an NDA assez spécial. Very special. Dieu a mis de lui en nous.